We'll be right back.
Bon, alors maintenant, faisons un bilan sur l'utilisation de la peinture acrylique sur le verre. D'ailleurs, dans cette vidéo, j'ai utilisé de la peinture acrylique bleue, rose, blanche et noire. Et j'ai mis 31 minutes à réaliser cette création. Premièrement, il faut savoir qu'il y aura besoin de beaucoup de peinture pour diminuer l'effet de transparence. Sur mon pot, il reste cet effet de transparence. Je n'ai pas voulu appliquer de deuxième couche car je voulais vous montrer le résultat avec une seule couche. Et aussi, je ne sais pas si une deuxième couche aurait été facile à appliquer. On arrive maintenant au deuxième point. Lorsque j'ai dessiné le reflet de la lune avec un peu d'eau pour créer un effet flou, la peinture du dessous, donc la mer, a commencé à se déchirer et donc à s'abîmer. En conclusion, je dirais qu'il est possible de peindre à l'acrylique sur du verre, mais qu'il ne faut pas s'attendre à un rendu très opaque. Je voudrais préciser que je ne suis en aucun cas une spécialiste et que je me base dans cette vidéo seulement sur cet essai. Par ailleurs, dans une prochaine vidéo, nous testerons de peindre à l'acrylique sur du verre. Mais cette fois-ci, avec du gesso. Donc restez dans mon atelier pour découvrir ce produit avec moi.